S'il vous plaît, la puissance de Jésus-Christ te délivre maintenant. Sa puissance te libère. Ça va, je crois, maintenant? Ça va bien.
de la protection de Dieu, je me protège. Vous n'apprenez pas? Bien. Je vais découvrir quelque chose. Ce qui est communiqué, c'est comme de la cire, qu'on met sur de l'or. Vous voyez, quand vous découvrez l'or, c'est noir, ça fait rien aux gens. Mais quand on commence à nettoyer la cire, ça commence à briller. Amen. Amen. Oui, et c'est ça l'aspect diable. Le diable, il détruit ton aura. À pense que tu es intelligent, tu es bien, mais tu passes quelque part, on dit que tu n'es rien, tu ressembles à rien. La puissance de Dieu. Désormais, la grâce de Dieu sera sur ta vie. Oui, au nom de Jésus. La puissance du Saint-Esprit. Amen. Qu'est-ce que tu as senti tout à l'heure? Quitter ton corps, n'est-ce pas? Oui. Ouais. Ça dit ça, hein? Il y a eu le reste de... Il tente de partir. Mais quelque chose va traverser ton corps et ça sera un élément qui va te révolutionner sur tous les plans. C'est-à-dire sur le plan spirituel. Reçois. Reçois cette force du Saint-Esprit. Oui, reçois la force du Saint-Esprit. Quand je viens souvent, je teste l'onction, c'est important. Parce que souvent, ceux qui ne connaissent pas l'aspect l'onction, quand vous êtes nombreux, il y a un dépôt d'onction que Dieu dépose sur nous. Amen. Amen. Souvent, je teste ça avec mes éléments. Parce que je leur communique ce qu'il y a à moi. Pour que demain soit encore plus fort. Parce qu'après Crasso, le travail doit continuer. On dit Amen. Amen. Voilà. Donc, quand je sens une onction, parce que c'est une décharge, si je ne diminue pas le pouvoir de l'onction, bien souvent, ça peut me faire tomber. Ah oui. Pour ceux qui aiment l'onction, je suis en train de vous enseigner sur le pouvoir de l'onction. Il y a tellement de choses qu'on doit découvrir dans le Seigneur. Amen. Amen. Il est puissant. Qu'est-ce qui s'est passé? À partir d'aujourd'hui, hein, même dans le même parcours, le sorcier ne va plus jamais te voir. Amen. Or, s'il arrive à te voir et te localise, il va te manger. Ouais. Tu serais invisible. Moi, je suis très invisible. Ça choque les gens. Ce n'est pas du mysticisme. Je te dis la vérité. Dieu ne fait pas de toi un chrétien, il fera de toi un esprit. Soyez des hommes spirituels. Rentrez dans une autre dimension avec Dieu. Ne soyez pas une vie chrétienne. Amen. Amen. Alléluia. Amen. L'onction d'invisibilité existe dans le Seigneur. Quand Philippe a fini de baptiser l'unique Éthiopien, il a disparu. Amen. Souvent, je vois les sorciers, on se voit. Quand il veut arriver à mon niveau, je disparais, je suis parti. Amen. 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 C'est quand est d'un dozo sorcier, il disparaît. Toi, tu es là, tu dis Jésus, puis le sorcier joue avec toi. Vous pensez que Dieu n'est pas puissant? La puissance existe en Dieu. Souvent, quand tu manifestes, les gens, ils attribuent tout à Satan. C'est Satan. Ah, comment tu veux le nom de Dieu détruire un canari? Non, c'est le diable. Ah, non, c'est le diable qui est fort. Oh, le diable, il a figé sa puissance en Dieu. Lui, il utilise négativement. Comme Dieu ne se répand pas de son don et de son appel, il est parti dans Satan avec ses pouvoirs. Amen. Amen. Dieu est capable de détruire un canari, il peut utiliser quelqu'un. God! Tout ça, c'est l'onction. Amen. Alléluia. Amen. Un jour, l'onction m'a fatigué toute une journée dans ma chambre. Oui. Je voulais partir prier dans un village. C'est quand j'ai fini de prier, je vais me lever, je suis tombé. Je me lève, je tombe, je traîne. Et j'ai fait plus de 2 heures en train de lutter. Et c'était tellement rempli, et j'allais prendre ma douche. Le premier que j'ai vu à terre. Ouais, c'est comme ça. Cherchez la puissance de Dieu. Moi, j'aime la puissance de Dieu. Je ne suis pas là, vous on va le ciel. Incitez-moi, c'est la tête, c'est derrière. Ma patrie,
est dans les cieux. Il est là-bas. Tu m'insultes. Tu vas voir Dieu. Moi, tu m'insultes. C'est n'est rien. Mangez-moi sur la terre, c'est n'est rien. Il y a des choses, je n'ai pas conscience dans nos églises. Et tu es sur la terre. On te mange n'est rien. Ma patrie est dans les cieux. J'irai là-bas. C'est ma nouvelle. Alléluia. Amen. J'ai affaire à moi, tu vas voir la puissance de couvrir Dieu. Amen. Comme une vie chrétienne plate comme ça, les gens ne voient pas Dieu à l'œuvre dans votre vie, donc ça leur dit rien. Il a mis des témoignages dans ta chambre. Moi, t'en as dans ma chambre. Mais tu peux pas. Tu peux pas. C'est pas vent, les sorciers comme vent. Amen. Il y a la puissance de Dieu. Je vais vous conter tout à l'heure un témoignage. Il y a un sorcier ici, ce qu'il a fait depuis hier. C'est pour ça qu'il a commencé la grossir. Je sais que vous êtes là, hein? Amen. Mais vos cœurs là, attrapez ça. Dans les sorties, il est m'attaquer. Attrapez ça, hein? Sinon vous allez mourir ici, cadeau. Vous avez rien d'attaquer. Attrapez-moi. Okay. Ton cœur va te blaguer, puis tu vas tomber dans les choses, et puis je ne pourrai plus t'aider. Dieu est puissant. Amen. Ça va? Tu as quelqu'un, Dieu est puissant. Alléluia. Amen. Il est capable de te protéger. Amen. Quand tu vas rentrer quelque part, on ne pourra pas te voir. Amen. Amen. C'est pas du fétichisme, c'est la puissance de Dieu qui se manifeste. Si Dieu ne se manifeste pas dans ta vie, les gens ne croiront pas à ton Dieu. Quand tu ou chanter seulement. Assemblez-nous, le Seigneur, il est vivant. Dieu est puissant. Il dit, je ferai de vous un témoin. Vous recevez la puissance de Dieu et vous serez mes témoins. Ta vie doit témoigner de la puissance de Dieu. Amen. Le Dieu n'a pas peur parce qu'il ne voit pas Dieu, il ne voit pas l'onction dans ta vie. Il n'a pas peur parce qu'il ne voit pas l'onction dans ta vie. Il n'a pas peur. Les gens ne parlent plus de la puissance de Jésus-Christ. Ils sont oubliés. La famille, nous, essayons d'écouter les enseignements. Amen. Écouter la parole de Dieu. Moi, je ne peux pas rentrer dans une église où je ne vois pas Dieu à l'œuvre. Je sors. Amen. Amen. Parce que quand Dieu est quelque part, il doit se manifester. Il doit parler. Il doit agir. Tu es malade, il doit te guérir. Tu as un problème, il doit résoudre le problème. Amen. On vient à l'église chargée, on sort de l'église déchargée. Mais tu as l'église sorti, mais viens te prendre, l'église va te manger. Oui, à grand là-haut, dans un village, tel le nom. Les sorciers devant l'église, ils sont allés prendre tous les prédicateurs sorciers de cette église. Ils sont passés comme ça. Que le aveu. Dès que tu rentres dans un poids, la balance, c'est ça, non, on appelle balance. Il te pèse. Alors lui, il n'a pas encore tiré le kilo. Parce que les gens font brûler les chairs. Alors lui, là, c'est vrai, il doit les manger. Le son, tu manges. Sauf pas là. Elle blague à lui. Il mange bien. Donc chaque mois ou chaque 2 mois, les gens mourraient en cascade. Dans l'église. Ça fait peur. Comment une église, c'est les gens qui sont montés, les gens. Non! Il n'y a plus de vie là-bas, c'est des gens de l'église qui meurent. Oh, Jésus apporte la vie. Jésus, c'est le chemin, la vérité et la vie. Amen. Le diable, celui qui apporte la mort, mais le prince des ténèbres. Et je suis arrivé dans le village, j'ai commencé à travailler par la grâce de Dieu. Et les gens ont commencé à parler. Et ils ont mis fin à tout ça. Vous savez, l'homme a droit à la vie, ça c'est important. Malheureusement, il y a ce qu'on appelle les délinquants spirituels et puis les criminels spirituels qui viennent détruire la vie des gens. Bon, ça, l'homme a droit à la vie. J'ai vu l'image terrible sur les nets où une femme a été poignardée par des microbes et des poumons. J'ai fait 2 jours sans manger, pour rien, sans raison. On vient de faire la vie d'une personne. Ah! L'homme est trop sacré. L'homme, elle est sacrée. Ne jouons pas la vie de l'être humain. Alléluia. Amen. C'est ça qu'on échange avec les sorciers. Frère,
Ne jouez pas avec l'être humain. Du coup, vous venez mettre fin à la vie des gens. Vous les tuez. Il n'y a pas de raison pour être envie de manger. Et pourtant, il n'y a plus de marché. Combien? Il n'y a pas encore marché. Si tu ne connais pas, je vais te montrer ici à Pousséni, il vend bien ici, tout près de l'hommage. Un kilo, ça 2200. Tu cotises. La fin de semaine, tu vas manger Dieu. Or, on les appelle mangeurs d'âme d'esprit. Mangeurs d'âme parce que l'âme se trouve dans le ciel. Amen. L'homme est composé de l'esprit, l'âme et le corps. Et il mange la partie vitale qu'on appelle l'âme de l'homme. Un animal est composé d'un corps. Hein? Non, pas d'âme. Hein? Oui. C'est ça aussi. Une âme et puis un corps. L'être humain est composé de trois parties. L'esprit, l'âme et le corps. L'animal, l'esprit n'existe pas dans l'animal. Amen. Ça, vous allez parler de la mort d'un animal, ça ne va rien lui dire. Or, l'homme, il a l'aspect esprit en lui qui est éternel. Bien qu'il est convaincu qu'il va mourir demain, mais il a peur de la mort. Amen. L'esprit part. Or, l'âme, il reste. L'âme reste. Amen. Alléluia. Et donc, c'est cette partie-là que le diable mange. Or, dans la confrérie, et ils savent. Si tu dois faire 40 ans, ils le savent. Bien. Tu dois faire 25 ans, ils le savent. Donc, c'est cette partie-là. Quand ils mangent, ils sont dans la confrérie, ils commencent à se partager la durée de vie. C'est pour ça que dans le village, vous allez voir que le gros sorcier, la vie, il vieillit. Or, quand ils mangent, l'âme se trouve dans le corps. C'est pour ça qu'ils se rajeunissent en mangeant l'âme. Et c'est pour ça qu'ils sont accros à l'âme. C'est comme de la drogue. Ils sont tellement accros. Amen. C'est pour ça qu'un dans un sorcier dans une famille est un danger. Oui, c'est un danger. Quand il sort de son corps, sa vie astrale, c'est de aller parler des problèmes de la famille. Ils arrivent là-bas, c'est pour parler de votre problème. Lui, là, il doit voyager. Ok, il ne faudrait pas qu'il voyage. Amen. Et quand j'ai compris l'histoire de la dame qu'on a vu sur Facebook, c'est ça d'actualité, elle partait passer son examen BTS. Donc elle allait prendre très tôt le véhicule et puis elle allait agresser. Mais c'est une de la sorcellerie. Quand vous voyez, c'est à 3h du matin. Oh, cette 3h du matin, elle n'a pas prié. Elle était dans la rue. Oui. Vous voyez, quand un accident arrive, il y a les choses. L'aspect spirituel que je récupère dedans, elle n'a pas prié. Oh, ça a été programmé. Si elle avait déprogrammé, les micros n'allaient rien à voir avec, elle allait ailleurs. C'est ce qu'il dit aux tout gens. On vous programme la nuit. À 3h du matin, paf! Puisqu'il y avait l'aurore, elle était déjà programmée pour aller la tuer. On l'a tuée. Et on n'a pas vu le coupable. Celui qui a tué, on n'a pas vu les gens. Ils sont partis. Bon, on dit que c'est les microbes. C'est fini. Elle est restée là. Sans raison. Il n'y a pas de raison. Elle l'a tuée. Elle n'était pas malade. Mais ça a été déjà programmé comme ça. On l'a tuée. Et c'est fini pour elle. Ces projets sont tombés à vous. Amen. Amen. C'est ça. Frère, je vous exhorte, même les sorciers, s'il vous plaît, respectez les êtres humains. Oui, respectez l'être humain. Nous avons des projets, nos parents ont des projets. Et malheureusement, vous venez les attaquer. Mais je dis heureusement que Dieu a créé cette brigade pour lutter contre vous. Amen. Amen. Nous luttons contre vous. Petit bien ici. Écoutez très bien. Tu es venu être délivré. Où es-tu venu? Je suis venu être délivré de la sorcellerie. Hein? Je suis venu être délivré de la sorcellerie. Tu es un sorcier? Dis-moi. Vrai là. Il y a une vidéo où il est venu dire, je suis sorcier. Vrai sorcier. Dans un village. Il dit sorcier, vrai sorcier. Ça, la sorcellerie, c'est une maladie. J'explique. Ils sont possédés d'un démon. Il y a un démon en eux qui les pousse. Ils mangent. Et puis après ça, ils ont les moments de lucidité. Hein. Ils ont un remords. Mais comme ils sont possédés d'un démon, le démon les pousse chaque fois à commettre des erreurs. Et quand ils finissent, ils reviennent. Ils reviennent à l'attaque. Amen. Or, si on n'est pas délivré de cette présence des démons en nous, on est sorcier. C'est pour ça qu'il y a des gens qui ne réussissent pas la délivrance. Parce qu'avouer, même dans les villages, il y a des gens qui disent, ah non, il a parlé. Mais aveu ne veut pas dire délivrer de la sorcellerie. Or, après les aveux, il faut délivrer la personne. Il y a des démons en cette personne. Il faut délivrer cette personne. Tu veux délivrer? Hein? Toi, tu penses que ici, là, c'est comme les centres de prière, les autres centres de prière qui t'ont visité. Hein? Hein?
Hein? Non, tu avais tendu un piège ici à 5h du matin, n'est-ce pas? Hein? Mm-hmm. C'était pour faire quoi? Demande la pensée pour faire quoi? Non, moi-même, tu as fait les choses contre moi à 5h ici. C'était pour quoi? Hein? Vous n'avez pas été dit. J'ai détecté ça. Ça, c'est un. Ok. Tu es rentré dans les chambres, tu as voulu tuer le pasteur. Est-ce que tu as pu? Hein? Non, s'il vous plaît, laisse-moi parler. Non, ici, il n'y a rien. Moi, ils essaient tout. Hein? Maintenant, j'ai dit, qu'est-ce que tu as fait encore? D'autres dans ma prière. Oui. Je vais prendre le ticket de pasteur. Quand il se met comme ça, pour pasteur, il va tout le monde. Parle fort. Il a quand même volume, non? Dosé. Le mec, il veut jouer moi. Oui. Tu as placé quoi? Souvent quand on ne vient pas, les gens, c'est toi qui te l'appelles. Il est venu, on dit le maréchal, Nabari peut. Toi, tu peux s'agir. Te voici aujourd'hui. Amen. Amen. Non, depuis la maison, je scanne. C'est le pouvoir que Dieu m'a donné. Quand Dieu t'a donné un pouvoir, ça ne se discute pas. Amen. Il t'a donné. Amen. Amen. Je suis allé au Togo, je suis allé aider une famille. Dans un pays, Togo. Le petit, on a donné rendez-vous, il n'est pas venu, ça a dit, si on doit aller en famille, il était déjà 19h, je ne pouvais pas aller dans les quartiers bizarres. Quand j'ai causé le petit, en esprit, je l'ai suivi. C'est pas sorcellerie. Hein. Je l'ai suivi, j'ai localisé. Quand j'ai rencontré son père, je l'ai terrassé. La nuit, il n'a pas pu dormir. J'ai pris la chance qu'il avait volé sa fille, j'ai ramené sa fille. Matin, je suis revenu dans le rendez-vous à 8h, il est venu, j'ai parlé au groupe, tu as appelé non, il n'a pas dormi la nuit. Il m'a dormi son corps. Vous n'avez pas dit, c'est vous qui troublez le sommeil des gens. Amen. Amen. C'est pas sorcellerie, c'est un pouvoir que Dieu m'a donné. Voilà. C'est vous qui limitez la main de Dieu. Moi, je crois à la puissance de Dieu. Il est souverain, il n'est pas limité. Je ne le limite pas. Ce qu'il veut faire de moi, il fait de moi. Ézéchiel dit, Dieu me fera vivre, amène mon esprit dans la vallée. Il a envoyé son esprit jusqu'en dans la vallée où la ville est ossements. Vous limitez la foi, la puissance de Dieu. Alléluia. Amen. Oui. Qu'est-ce que tu as mis devant la porte ici? C'est pas petit, ça. C'est un piège. Comment ça est? Et puis après, dedans, non? Quand le prophète est venu, la basie. Il est là. Il parle, il est là, il boit. Et puis le poison m'a monté jusqu'à mon cœur. Ils ont dit, arrête, Kadia. On n'a pas dit, il est maréchal de quoi? De quoi? Et c'est son camarade. Moi, souvent, je me demande d'arrêter. On dit, prophète, pardon, tu sais, tu es jeune. On te demande, tu es choco. Sorcier, c'est ton camarade. Est-ce qu'il connaît sorcier? Il va faire combien de temps, ça? Sorcier, nous on connaît sorcier. Je lui dis, ok, vous connaissez le pouvoir de la sorcellerie, vous ne connaissez pas le pouvoir de Dieu. Agissez ça. Oui, le sorcier, vous admirez un pouvoir, mais vous ne connaissez pas la puissance qui existe au Seigneur. Dieu m'utilise pour démontrer sa puissance. Amen. Face au pouvoir de la sorcellerie, moi j'ai rencontré les sorciers les plus terribles à Côte d'Ivoire. Aujourd'hui, on est installé à Divorce, mais dans le temps, on visitait tous les villages de la Côte d'Ivoire. Les villages les plus terribles de la Côte d'Ivoire, pour démasquer les sorciers. Dieu m'a appelé. Ça veut dire que ce n'est pas une question, je me suis levé le matin, il a envie d'attraper les sorciers. Non. J'ai vu Jésus dans ma chambre, Jésus dans ma chambre, pour dire, je te donne le pouvoir d'aller détruire la sorcellerie. Jésus, il l'a vu plus de 20 fois. Je vois Jésus comme je t'ai dit quand. Tu sais, ma foi est grande. C'est pas qui veut attaquer sorcier. Sorcier! J'ai testé le pouvoir d'un sorcier dans la rue de Guéo. Le
Le sorcier est assis. On l'a cité, il est là. Moi, je vais l'attraper. Il est assis, mais regarde, vous venez. Quand il a bougé, j'ai glissé un peu. Le filet m'a raté. Ah oui, il a jeté un filet. Il a commencé à parler. Le père Esaïe 54, verset 17. Toute âme forgée contre vous êtes sous en danger. Prononcez-le par cette version verset. Esaïe 4, verset 17. Quand vous sentez même migraine, vous sentez que vous êtes attaqué. Parce que physiquement, sur le corps, on peut le sentir. Vous avez des vibrations. Quand vous rentrez dans un endroit, vous voyez la chair de vous stopper, commencez à parler Esaïe 54. Si vous ne voyez pas, oh, il y a des présences invisibles là, négatives. Amen. Amen. Commencez par. Esaïe dit quoi? Toute âme forgée contre toi. Toute âme forgée contre toi. Ce sont les promesses de Dieu. Dans la vie, il verse sa parole pour l'accomplir et les équiper. Quand j'ai fini, paf, je me suis retrouvé devant lui. Il dit, monsieur, allons-y. Je suis un rabbin spirituel. Il dit, ouais, tu as gagné. Ce que tu as écouté, tout ça. Je ne pose même pas la question du sorcier. Mais je voulais voir ce qu'il y a en toi. Tu es trop terrible. Allons-y. Je leur ai dit, tu sais, vous mangez les gens. Vous ne connaissez pas Dieu. Le gars parlait. Il a tué, il a tué, il a tué. Quand les gens meurent, ils viennent, c'est lui. Tu as dit quoi? Rien. Et je l'ai mangé, il a faim. Il a mangé. Il l'a mangé. Pas ce soir. Tu fais quoi, toi, les bras? Tu fais mal. Quelqu'un m'a envoyé, oui, c'est moi. Il a mangé. Tu es là, tu comprends pas, le gars est là, c'est naturel dans le village. Il y a des gens dans vos familles, vous savez qu'ils sont tenus, vous voyez. Amen. Venez me voir, il a commencé à régler ça. Je suis allé en dossier, voici la dame, elle est là. C'est pas là? C'est quoi t'appelles la dame? Hein? Odette, on allait à jouer à Chawia ou à Dia. Awia. Je suis allé là-bas, il a dit non, je ne suis pas venu attraper sorcier. Non. Je suis venu tuer sorcier. Parce qu'attraper, on peut aider. Oh, le cas, il est dangereux. Il a tellement fait des choses. Il y a des gens, Dieu ne voudra jamais voir qui se répond, qui se taire. Le gars veut me saluer, il ne te salue pas. Je vais tester quelque chose à puissance de Dieu. Quand j'ai bien donné 2 mois, c'est lui, il est parti. Il est mort. Amen. Amen. Voilà. Dieu est puissant. Moi, j'aime les gens, hein. Mais j'aime bien délivrer les sorciers. Mais s'il vous plaît, les êtres humains, vous voyez là, laissez-les tranquilles. Laissez-les tranquilles. Laissez-les vivre leur vie. La femme bébé procréer, tu viens, tu fermes le ventre, tu jettes la clé. On déporte. Tu es là, c'est aussi ta tête, là, il vient chier. Puis quand tu regardes, tu sens. Il y a des gens qui ont des odeurs. Ils vont mettre le parfum le plus puissant de la planète Terre. Mais ils dégagent. Parce que le gars a pris. Nous, on dit caca, il dit pas excrément. Nous, chez nous, on appelle ça caca. Il prend ça, il met sur ton corps. Il capte ta vie. Tu es une femme, tu es là, tu es belle. Et puis on te porte un masque. Le gars, il regarde, il te bat. Tu vois, ok. Quand vous finissez là, c'est fini. Quand tu l'appelles, son portable est sur Orange. Orange, bonjour. Au correspondant, ne peut pas être joint. Appelez. C'est fini. Il change de puce. Il va se mouvoir. Amen. Tu es là, tu ne comprends pas. Une première expérience, la deuxième expérience, la troisième. Non, ça commence à être sérieux. Amen. Quand tu parles de mariage, le gars rentre en brousse. Quand c'est d'amusement, on est ensemble. Manger le poulet, les fruits, les pizzas. Quand ça arrive le mariage là, c'est fini. Ah, son portable. Orange, bonjour. Ah, c'est la sorcellerie. Amen. Ils sont déjà mis dans une prison. Il y a des gens qui ne doivent pas avoir l'argent sur la terre. Amen. Comme ce monsieur-là, tu es né pour avoir l'argent, tu es un milliardaire. Oui, mais les sorciers de ton bilan, on aura l'occasion de discuter de ça. Amen. Ils ont retiré ton sang. Et puis ton problème, monsieur, écoutez-moi, laissez-moi parler. Ils ont récupéré le sang et puis ils ont programmé quelque chose comme toi, Mars. Le 11 mars, on aura l'occasion de discuter. Comme ce, en plein culte, on aura l'occasion de discuter de ça.
Et Jésus va te sauver. Amen. Il va te sauver. Amen. Amen. Dieu est là pour sauver tout le monde. Amen. Comment tu as fait, petit? L'amour Jésus sur tout mon corps. Mm-hmm. Et puis, je suis parti mon été au Bébé. Et donc, au Bébé, ma collègue, qui était là-bas, et puis m'a donné mon chapelet mort. Et puis, je suis venu ça. Mais il ne peut pas, ça dit. Il sort, il cherche à appeler, il a essayé. Il essaye, il n'est pas délivré, donc il essaye. Ce qui en lui essaie toujours de faire quelque chose. De faire toujours quelque chose. Mais il est petit, très dangereux. Oui, très dangereux. C'est pour ça qu'il a commencé avec la voisine, j'ai commencé ça. Et bien, à 5 heures, j'ai appelé au cabinet, c'est à 5 heures. Je lui dis, je ne viens pas. Et moi, déjà à 3 heures du matin, souvent qu'on allait prendre 1 heure du matin, je commence à prier. À 3 heures, 4 heures, je commence à scanner tous les dossiers. Quand c'est ok, je m'arrête sur le terrain. C'est-à-dire, les sorciers me guettent. Eux, ils ne veulent pas voir le prophète Crasso ici, sur la terre. Les sorciers, mais si c'est pour les dérange, ils te dérange. Amen. Oh, moi, je suis prêt. Au premier de ma vie, te sauver. Je suis prêt pour ça. Amen. Parce que tu as toi la vie. Tu as le droit à la paix, à la joie. Pourquoi pas toi? Les gens sont en paix, ils font des enfants. Même folle, fait un enfant. Lève-toi chaque année, à grand où est l'enfant. On ne connaît pas l'auteur, mais elle est toujours enceinte. Les gens sont possédés, hein? C'est fou, la France, tu fais comment? Ils sont possédés. Allez, c'est une folle. Tu t'arrêtes comment pour faire ça? Et la fois, le service social prend l'enfant, chaque année, elle enseigne. Si fort la couche à faire enfant, c'est pas toi qui ne peux pas avoir enfant. Nous allons demander au Seigneur de vous donner enfant. Amen. Amen. C'est pas ça? Donc tu es vrai sorcier. Hein? Tu viens en un. J'espère que tu es garçon, c'est pour ça que tu m'as affronté. C'est comme ça. Tu as cœur. Oh, j'aime les gens qui ont cœur. Parler. Tu as cœur, non? Vas-y, quand on t'envoie sur le terrain, sur mon territoire, et tu veux jouer sur mon territoire. Oh, le petit est passé dans beaucoup de temps de prière, sans elle a fait. Tu voulais détruire le camp, c'est ça? J'ai essayé plusieurs fois, ça n'a pas marché. Tu as essayé de tuer le pasteur, ça n'a pas marché. N'est-ce pas? Pourquoi tu as honte? Tu as une tante en France, non? Comment elle s'appelle? Isabelle. Qu'est-ce que tu as fait, Isabelle? Tu as vécu chez elle, non? Avec une tante en France. Qu'est-ce que tu as fait, Isabelle? Je sais pas.